Salut tout le monde, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super super bien en ce jeudi 18 juillet. Et je l'annonce officiellement demain soir à 16h. Je suis en vacances. Youpi! Wouh! C'est la fête du slip. Et donc, je vais en profiter comme ça la semaine prochaine pour commander ma nouvelle config PC de la mort qui tue. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, on sait jamais, ça pourrait intéresser des gens. Ah, et notre escadron s'est terminé. Je vais vous décrire un petit peu la config que je me, ma petite config que je me suis faite, hein, sur Configomatic, un site que je vous recommande fortement. Très bon site pour faire ses configs facilement et qui gère la compatibilité entre les différents composants. Enfin bref, je vais vous faire, enfin je vais pas vous décrire ça complètement, hein. Je vais faire ça sur une base de trois composants de la config, c'est-à-dire le processeur, la carte mère et la carte graphique, pour que vous voyez un petit peu la puissance, on va dire, de l'engin. Donc pour le processeur, je pars sur du Intel, bien évidemment. Non, je déconne pas, bien évidemment. Mais pour le jeu Intel, comparé à AMD, c'est mieux. Bon, après, il y en a même qui disent, oh, c'est des conneries, AMD, c'est trop bien et tout. Mais bon, pour le jeu, c'est moins bien. Ça, c'est certain, pour le jeu, c'est moins bien. C'est vrai que les processeurs AMD sont très très rapides. Et pour leur prix, c'est nouveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Mais je veux dire, pour les jeux, clairement, Intel, c'est mieux. Le modèle, un i5 4570K, ou je sais plus, enfin. 4650K, je sais plus, une connerie comme ça. Bref, c'est le processeur au-dessus du processeur i5 3570K, qui est lui un très très bon processeur. Et mon téléphone sonne. Tac. Désolé. Donc un très bon qui lui est un très 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 bon processeur, hein, d'ailleurs, mais qui est sous une technologie plus vieille, hein, qui est le Ivy Bridge, il me semble, ou le Sandy Bridge, je sais plus lequel c'est, il faudra que je regarde. Et donc le i5 4000, je sais plus combien, lui est en Aswell, donc la toute nouvelle génération, la quatrième génération de processeurs. Vous allez me dire, oh, c'est inutile, oui, bon, enfin, c'est pas très utile pour le moment, mais pour une quinzaine d'euros de plus, pour une quinzaine d'euros de plus, j'ai envie de dire, déjà, je m'en fous un peu puisque j'ai les moyens, enfin, je veux dire, j'ai la possibilité. Et globalement, c'est pour le futur principalement que je fais ça, puisque Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. les futurs composants, ça sera mieux quoi. C'est une technologie, c'est toujours mieux de prendre un truc le plus, enfin pas forcément, mais là pour le coup, si ce sera mieux dans le futur si je veux changer les composants, enfin globalement il sera plus performant. D'ailleurs là donc comparé au i5 3570K, ce processeur-là gère un petit peu mieux le PC dans sa globalité, Disciple pour ce qui est fermé. du multitâche et tout ça. Bon, peut-être ceux qui en ont pourront le dire dans les commentaires, hein, s'il est bien. Disciple Bon, après, fermé. voilà, je pense pas que. Hein, Oups! Ah, ça commence déjà! Tiens d'ailleurs, ça me donne envie. Ah, tu vas pas commencer à me saouler, hein. Ça me donne envie de. Hein, ça faisait longtemps là. Ça me démangeait là depuis le début. Oh! Ouf! Oh! Oh, c'est trop bon! Oh, je clique! Oh, tout en même temps, regardez tous ces chiffres rouges. C'est excitant. Oh là là, comme les taureaux. Non, j'ai pas. C'est complètement horrible. Complètement horrible. D'ailleurs, les flammes rouges. Ici, mais il y a plein de monde en fait là. Il y a plein qui se touchent la nouille là, Disciple ici, je suis sûr. reproducteur. Regardez-moi ça, regardez-moi ça là. Putain, non mais ils avaient pas honte. Disciple Oh reproducteur. là 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 là. Enfin, bref, donc voilà pour ce qui est du processeur. Juste une petite parenthèse, aujourd'hui on va essayer de. On va faire de la capture de ville. Vous voyez, on avait capturé cette ville dans l'épisode précédent. On va essayer d'aller à celle-ci. Capturer cette ville, puis peut-être celle-là. Voilà. On va voir. Et donc il y avait quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires de continuer les tirs aux pigeons sur les villes adverses. C'est vrai que. Merde, je me suis gouré. C'est vrai que c'est fun. Attendez, avec l'électricité, c'est encore plus drôle. On va voir si de là je les touche. Parce que. Ouais, mais c'est pas assez haut. Ah, ouais, c'est pas assez haut. C'est pas assez haut, c'est pas assez haut.
Ce que je peux faire peut-être, c'est... Peut-être... Ah ouais, non, ici. De là. Ah oui, de là, de là. Ah, si j'y arrive. Ah, fuck. Oh, bah j'ai mis le feu, tiens. Ouais, non. Non, 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 non. Ça, ça va pas le faire. Fuck. C'est un petit peu trop loin. Bon, c'est pas grave. Donc, je continue pour ce qui est de la config, de la configuration PC. Alors là, pourquoi... Ah, mais il faut du minerai, d'accord, c'est pour ça. Oui, parce que pour faire l'armée, il faut du minerai. Pour ce qui est donc de la carte mère, je suis parti sur une MSI... une MSI Z87 G45 Gaming. Bon, alors, je sais pas si c'est... une super carte mère, mais en tout cas elle a l'air pas mal et elle est spécialisée dans le gaming, donc moi ça me, moi pour l'instant ça me convient totalement. Ah, il y a pas assez d'hommes, d'accord, ok. Et ben, c'est parti pour la campagne de reproduction. Allez-y, c'est gratuit, vous êtes autorisé. Là, je vais augmenter le nombre de disciples reproducteurs. Là, il y a intérêt là, parce que moi je veux de la natalité. Là, je veux de la natalité en masse. En masse, j'ai dit. En masse. Voilà, à côté de la garderie. Ah non, c'est l'auberge ici. Disciples reproducteurs. Bah mince. Voyez là, tout cela là. Mais c'est quoi qui est pas la. Ah, il meurt de faim, t'es sérieux? Ah oui, merde, y a pas de nourriture. C'est vrai que la nuit, j'avais expliqué, y a pas de nourriture puisque la moitié des gens se touchent la nuit chez eux. Non, c'est tout à fait normal, ils ont droit à leurs heures de repos le soir quand même, hein, quand ils rentrent du. Disciple fermier. Quand ils rentrent des champs. Disciple raffineur. Il faut des disciples raffineurs. Allez. Ouais, donc pour ce qui est de la carte graphique, MSI Z87 G45 Gaming, donc elle est pas mal, hein, y a tout. Y a même une puce réseau, soi-disant, qui est bien, qui réduit la latence et tout ça, enfin voilà. Y a une carte son intégrée, on va dire, sur la carte mère, qui est pas mal aussi, c'est du HD, donc voilà, c'est suffisant. Franchement, oui, c'est plutôt bien en plus, hein. On va avancer nos troupes ici. Ah bah tiens, les lameux. Meuh. Ça va. Ah bah oui, j'espère que ça va. Hein. Je déconne. Allez, bon. Tu vas aller te... qu'est-ce que tu... Hop. Tu vas aller ici. Pour préparer l'attaque. Tac, 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 tac. D'ailleurs, vous allez aller là. Ouh, le tigre. Ouais, mais on s'en fout, il sert à rien. Alors par contre, j'espère qu'elle va passer par le bon endroit. Voilà pour ce qui est de la carte mère. Et enfin, pour finir, pour terminer, la carte graphique. La carte graphique, alors au début, je voulais prendre... Bon, c'était... Ouais, c'est vrai que j'avais un peu pété les plombs, je sais pas pourquoi. Enfin, pété les plombs, voilà quoi. Je sais pas, j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Je voulais me prendre une GTX 780 à 600€. Oui, je sais, c'est complètement abusé. Mais bon, vu qu'elle est très bien, c'est... Voilà quoi, je me suis dit oui, voilà, ça vaut le coup. Mais en fait, j'ai eu l'avis de plusieurs personnes. Et c'est vrai que dans l'année prochaine, en début de l'année prochaine, ou je sais pas dans combien de temps, elle aura baissé de prix de presque... Enfin, je sais pas combien d'euros, mais... Elle aura beaucoup baissé de prix. Et donc ce sera beaucoup plus intéressant si plus tard je veux m'acheter juste une carte graphique par exemple. Et puis même il y a la série AMD 8000 qui va sortir à la fin de l'année je crois. Donc j'ai décidé de prendre le niveau d'en dessous finalement. La petite sœur de la 780, la GTX 770 GB, OC d'ailleurs, qui peut être overclockée, à 2 Go de... Oh. Oh merde, barrez-vous. On se taille. Y'a le tic qui s'est ramené. Ça devait pas se passer comme ça. Oh, mais attendez. Attendez, tigre. Vache, tigre. Vous aussi, vous pensez à la même chose? Non, pas ça, trou du cul. Combattre. Allez, c'est parti pour une séance de catch improvisée, les amis. Ça va roxer, là. Pendant qu'eux, ils vont gentiment aller rejoindre le...
le village. Voilà, donc j'ai pris voilà la Gigabyte 770 OC 2 Go de mémoire, une bonne fréquence, le système de refroidissement WineForce qui apparemment est bien, mais il y a quand même un inconvénient, c'est que c'est un peu con d'ailleurs, c'est que il y a trois ventilos mais qui n'évacuent pas l'air chaud de la machine. Ce qui est un peu débile. Donc faut un bon boîtier qui refroidit bien, bien aéré. Mais bon, je pense que mon boîtier sera largement suffisant parce qu'il a, je crois, 5 ventilos intégrés ou 6, je sais plus. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le Zalman Z11 Plus. Alors ceux qui connaissent peut-être. Où est ma créature? Putain, mais elle va trop lentement. Elle s'est déjà barrée l'autre. Oh là là, tu sers à rien, ma pauvre meuf. Oh là là, ça va plus être possible. Et donc. Non, tu vas aller là. Donc voilà. Donc je pense qu'elle sera largement suffisante. Voilà, pour 250€ de moins, ouais. C'est déjà. Voilà, c'est déjà beaucoup moins cher et largement suffisant d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, je me fais pas souci sur la carte graphique, je pourrais tout faire tourner. Et puis je pourrais, en plus faire des vidéos, ce sera le top avec ce processeur. Et en plus de ça, le petit plus, le SSD pour faire tourner les jeux, les jeux gourmands bien sûr, j'installerai pas tous mes jeux. Et puis surtout les logiciels gourmands comme Photoshop et tout le soin là. Enfin, ce sera plutôt un plus. Oh, attendez. Attendez, les mecs, bougez pas. Bougez pas, c'est l'été. Et qu'est-ce qu'on fait en été? Hein? Hop, des barbecues. Ouais, des barbecues. Et il y en a. Ah non, il y en a deux. Bon, on va aller finir l'électricité. Barbecue électrique, ça existe, ça? Voilà. Explosion nucléaire. Oh là là. C'est horrible. Ils ont fait de la. Eh hey, mais ils ont fait de l'armée hein. Ils ont peur les cocos là, ils ont peur. Hop, vous allez venir ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle gerbe, d'accord. Elle a dû bouffer un rocher ou un arbre. C'est normal hein qu'elle fasse ça. Par contre là, voyez. Le sang de ces Grecs abreuve l'âme de nos terres. Il faudrait plus de troupes. Il faudrait des fantassins, le problème c'est que. Oui? Pourquoi il ne veut. D'accord, il voulait pas me dire combien. D'accord. Hop. Homme disponible. Bon, c'est un peu buggé là, je comprends pas pourquoi il veut pas me faire plus de mecs. Ça c'est un peu. Je crois qu'il est complètement buggé en fait. Ah, il y a des jobs qui sont là. Attendez. Barbecue. Oh, tu brûles dans les flammes de l'enfer. Voilà, bon, let's go, c'est parti. On va attaquer. Putain, il fait sombre ici, hein, c'est. Hop, toi tu vas aller me zigouiguer cette porte de Mao. Le seul problème, c'est que. Ah, mais il y a eux aussi. Il y a mes ninjas de l'espace, là, les super samouraïs Muteki. Oh, j'ai pas lancé le chrono. Ouais, c'est pas grave. Ça doit faire 10 minutes, ouais, un peu plus. Bon, j'enlèverai des minutes. Vous inquiétez pas. Là, pour ça. Qu'est-ce que t'attends, là? Allez, va attaquer. Allez. Nous partons sur le champ. Vous allez m'éclater cette bande de petits pécores. Allez, vas-y, attaque. Voilà, parfait. Tu vas nous zigouiller tout cela là. Attention, ça c'est du combat épique les amis. Oh là 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 là, nous sommes en plein cœur de l'action. Pourquoi ils sont tarés en fait, ils ont tous décidé de sauter. En fait, ils sont complètement. Oh bah. Ils sont complètement cons en fait. Allez, va me défoncer ça là. Allez hop. Allez hop, plus vite que ça. Purée, on les a déboîtés ces pauvres archers. Non, pas ça.
pas ça. Ça. Voilà. Allez, vas-y. Sors-nous le pouvoir de l'électricité. Oh, voilà, bah voilà. Il suffit que je le dise, le mec que j'y pense. Elle le fait toute seule. Oh, oh le. Oh. Et le soin. Ah non, la boule de feu. Oh, c'est du massacre. Regardez ça, c'est du massacre. Oh, la torche de feu. L'entrepôt enflammé de la mort. On va aller essayer d'attaquer ces pécores là qui sont restés. Attendez. Ah ouais. Ah ouais aussi ouais. Tu peux péter un bout de mur en entier, je te dirais. Je suis un peu contrarié. J'ai cru qu'elle avait dit je suis un peu contaminé. Quoi? Ah ouais, mais en fait j'ai créé une espèce de créature surpuissant ça existe même pas en fait, on peut même pas la qualifier. Allez hop, capturer. Ça c'est de la capture. Oh, c'est magnifique. Oh eh, mais ils sont rentrés dans ma ville. Mais eux en fait ils sont cons parce qu'ils s'arrêtent devant. Genre en mode j'attends. Allez-y. Genre des portes ouvertes. Allez-y. Oui. Oui oui oui. Allez à ton tour Jackie. Vas-y Robert. Allez. Allez. Et nous, pendant ce temps-là, on se beurre la biscotte. Non, j'arrête. Oh là là. Donc voilà, pour... bon, ça change de sujet complètement, mais... Pour ma config PC, voilà, vous en savez un petit peu plus. Bon, après, j'ai pas besoin de venir pour en discuter, ça s'en bat les steaks. Et voilà, magnifique. Ce sont vraiment des guerriers, mais nous leur sommes supérieurs. Ah oui, par contre, ils ne nous battront jamais. Si pour savoir, par exemple, si un certain d'entre vous utilise Windows 8, dites-moi si les gamers aussi principalement, dites-moi si vous avez des problèmes, beaucoup de problèmes de compatibilité ou pas, parce que je ne sais pas si par exemple Black and White 2 marchera sur un système Windows 8. C'est pour ça que j'hésite entre Windows 7 et Windows 8. Ça me retarde. Enfin, je sais pas quoi, j'hésite et je sais pas quoi prendre. Et ça me... Oh, électrocution instantanée. Et il y a le vieux Robert qui... Ah non, il y a deux vieux Robert qui ont résisté. Et ça, c'est complètement buggé, là. Ne faiblissez pas. Ouais, ça, c'est ceux qui sont sur les murs. Mais ça, putain... Non, je veux pas... Oh, mais c'est le cratère. Allez, mais c'est buggé, complètement buggé. Ah non. Ah non, c'est pas buggé. C'est plus buggé en tout cas. Voilà, bon, je vais pouvoir faire une armée de fous. Et enfin, il y a le jour, c'est pas trop tôt, bordel. Enfin. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va continuer à aller, hein. À attaquer, écoute, qu'est-ce que tu veux? On y va. On va aller se faire cette ville là, allez c'est parti les amis, let's go. Vas-y, c'est toi la première, t'y vas et bah, tu restes là et voilà. Et dans le prochain épisode on pourra enfin terminer. Eh bien ce royaume qui était plutôt long hein, finalement, hein, mais faut dire j'en ai pas mal fait des épisodes sur ce royaume. Et d'ailleurs quand on a fini on va pouvoir faire cette mission. Vous allez voir c'est assez drôle, quand on parle de tir au pigeon. qu'est-ce que je disais? Oui, voilà pour le système d'exploitation. Dites-moi si vous rencontrez des problèmes, ceux qui utilisent Windows 8 et qui jouent. Pour savoir par exemple si les vieux jeux comme Black and White pourraient marcher, parce que voilà. Sinon, concernant le config, non, y'a rien d'autre. Hein, non, non. Ouais, non, après, c'est des trucs pas importants à savoir. Pas du tout. Non. Tu restes là. Hop. Allez-y, vous pouvez aller capturer c'est où l'hôtel de ville, dans ce trou. Ah, bah c'est la ville qu'on a sauvée de la peste, de la tourista, là. Bah oui, c'est eux, c'est bien eux. Ah, c'est pas gouré. Oh! Oh là 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 là! Oh, déforestation! Magnifique. Regardez ça, putain, il fait un bruit chelou, le feu. Hein. Ah, j'aimerais pas trop me retrouver à côté. Je vais fertiliser ces arbres avec mes besoins. Mais non, je ne savais même pas que cette phrase existait quoi. Regardez ça, non mais c'est beau quand même. Elle a une bonne conscience cette vache hein. En fait elle chie sur les arbres pour faire de l'engrais. Regardez-moi ces merdes, ces trucs là, c'est des...
Oh, et la vitesse où ça arrête ici, oh, c'est pas humain ça. Mais non, ça c'est une blague. Ça c'est une blague. Ah, ils sont rentrés. Ah, et si, en fait, si on s'en prend plein la poire. Oh, le stop. Le stop. That stop. Voilà, et on a un putain de bataillon de fantassins. Enfin. 15 000. Et une autre ville capturée. D'ailleurs, eux, faudrait les. C'est qui eux? Ah, d'accord. Bon, on va aller les zigouiller là. Allez, va les attaquer. Putain, y a de l'orage, il fait pas beau. Tiens, en parlant d'orage, là, on a juste au-dessus de chez moi là en ce moment même. Bon, en fait, c'est pas non plus. On va les rapprocher pour qu'ils défendent. Oh, mais merde, attendez. Ravia l'âme! Hop. Oula. Oh le bug de la. Oh le. Putain, alors ça, c'est en exclusivité pour vous, chers abonnés. Le bug de la vache. Oh, magnifique. Elle a stressé en fait. Elle... Oh putain, ils se ramènent tous. Oh putain. Allez-y, envoyez la sauce. Bon. Restez. Bon, d'accord. Sauf que le problème c'est qu'elle bute aussi nos potes. Allons-y. Non, vous attaquez eux. Vas-y me. Oh c'était beau ça. Oh là, oh le massacre. Elle va foutre le feu à toute la forêt. Oh là. Oh c'est magnifique. Oh le combat mes chers amis, le combat. Le problème c'est qu'elle nique tous nos archers et ça c'est pas bon ça. Oh mais c'est épique, regardez ça, mais regardez cette machine de guerre, oh là. 10 morts, 20 morts, 40 morts, 50 morts, nos archers qui en prennent un petit peu là. Oh avec l'arbre. Oh là, Mister T en action, elle est folle. Oh là, pff, ça fait gicler les corps, oh, c'est juste monstrueux, elle lâche les arbres comme ça, comme une pauvre mère. Par contre, et le pouvoir de l'électricité pour achever le travail. Eh, c'était beau. Oh, et le coup de poing de la mort. Par contre, nos archers, il y en a plus autant qu'avant. Hein. Elle meurt de faim. Bah oui, tu meurs de faim. Ouais. Et attends, il y a 3 pécores qui ont résisté là. Il y a 3 Jackie. Mais regardez-moi ce combat de la déchéance. Par contre, qu'est-ce qui me. Oh. C'est encore là ou quoi? Non, c'est pas ce que je pense. Mais ça c'est qu'un détail Jean-Pierre, il n'y a pas besoin de nourriture dans la vie. T'en veux de la nourriture? Bah tiens, je t'en donne. Mais ça c'est à cause de l'armée, hein. Faut pas oublier que l'armée bouffe deux fois plus de... Bouffe deux fois plus de nourriture que la population. Regardez, dès que j'en mets, ça part direct. Hein. On va arroser parce qu'on est gentil. La pendant ce temps là. Oh le méga bug. Je m'excuse vraiment. Hâte que ces bugs terminent là. Problème. Vous aurez de la 1080p. Enfin. Vous aurez aucun problème là. Pour les vidéos, ce sera. Vous aurez pas de bruit de fond. Ce sera juste le top. Le top du top du top du top. C'est le moins. Moins que je puisse vous offrir. Hein. La moindre des choses. Voilà, c'est du bon matos. En plus, ça tombe bien parce que moi je voulais. Alors, je comptais depuis longtemps. Et puis là, pour les vidéos, en plus, ça m'arrange quoi. Ça m'arrange parce que comme ça, double utilisation. Vous aurez peut-être aussi, si vous avez envie, du Skyrim peut-être. Parce que Skyrim, c'est un de mes jeux que je trouve. Un des meilleurs jeux sur PC pour moi. Avec des ENB, des mods, enfin tout. Oh, par contre, j'ai plus d'archers. Vous aurez tout là, le Skyrim avec des UMB et graphismes en ultra, bon, là, je pourrais vous faire une petite aventure si vous voulez. Si vous en avez envie, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, hein, je dis bien si vous voulez, sinon je le fais pas. Et oh, d'ailleurs je suis combien à mal, j'ai baissé ou pas? Oh, 100% maléfique. Oh, ça c'est le top. C'est bien. Oh regardez, elle a le cheveu qui a poussé, regardez. Oh comment elle se laisse aller avec ses oreilles, regardez-moi ça, genre elle a la coupe. Genre la coupe et tout qui va sur les yeux. Putain, c'était quoi ce lag?
Regardez-moi ça. C'est quoi cette coupe? Tu vas aller chez le coiffeur, toi, tout de suite. Hein? C'est qui, eux? Ok. Ok. Oh, par contre, il se ramène. Attends. Dois-je... Je vais pulvériser ce rocher. Ah, j'en ai marre. Des bugs. Toujours plus de bugs. Bon, on va passer par là. Ils vont aller ici. Hein. Tac. Voilà, on va faire le tour. On va tout rassembler. Et on ira zigouiguer ces gens Kevin. Tac. Et voilà, moi j'utilise des mots de vocabulaire qui n'existent même pas. Des mots de vocabulaire. Ça, c'est encore, ça existe encore moins. Enfin, ouais, bref, on s'en bat les steaks. Let's go, tiens, je vais essayer de soigner ma créature. Hop, parce que moi je suis gentil. Non, je déconne, je suis méchant, mais bon. C'est me. Holy shit. Holy shit. Oh putain, je suis une grosse brêle. Allez! Ils sont en train de recapturer, non mais. J'aime bien leur donner de l'espoir, regardez, ça va être drôle. Regardez. Regardez comment ça va être drôle. Oh non, le bug de souris. Oh putain. Là, je pouvais pas le manquer. Bon, y'en a marre. Voilà. C'est bon à un moment, hein. Non mais, ils ont pas compris. Déjà, oui, je voulais terminer mon idée là. Si ils ont besoin de nourriture, ça veut dire qu'ils sont trop. Voilà! Non, mais t'es sérieux? Là. Non, derrière toi! Attendez, je. Oulala! Je suis mal accéléré. Oh, le tigre! Oh! Et pour finir la vidéo, les amis, regardez ça! Combat de catch! Oh, le tigre qui a la barbe! Le tigre! Oh! Oh, le double beef! Oh, regardez ça! Oh putain! Alors là, elle prend cher! Oh! Oh là! Le tigre à la barbe! Le tigre à la barbe! Dat tigre qui a 100 ans. Oh, regardez ça, regardez. Elle lui met 3 droites et il perd 2 PV là. Oh, vas-y, regarde. Vas-y, je te boxe. C'est abusé. La créature a pris un coup de maléfisme d'un coup là. Regardez ça. Elle a une bonne prise, je trouve. Comparé au tigre, voilà, regarde le tigre qui chavire un petit peu là. Ça commence à devenir sérieux. Sauf que moi, je suis un. Un enfoiré de bâtard de merde qui triche. Oh, holy shit. Attendez. Oh putain, j'avais pas vu, ils nous ont recapturé. Holy shit. Vas-y. Alors, on va essayer de ramener les troupes vite. Ici aussi d'ailleurs. Vite, faut qu'on aille recapturer. Oh putain. Oh là là. Date retournement de situation. Et me qui a du mal, hein. Vas-y me. Allez là, elle se fait. Oh là là. Oh oui. Oh le finish. Oh. Oh vas-y. Oh le droite gauche. Il y a un papy qui vient voir le spectacle. Ah voilà, elle est dead. Elle est dead, vas-y championne. Oh là là, le coup de cul. Le coup de cul pour finir. Le double coup de cul. Alors ça, mes amis, c'était du combat. Ça, c'était... Et le triple coup de cul pour finir sur le visage. Hein. Vas-y que je te mets mes couilles sur ton front. Oh là 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 là. Et elle gagne de la force. Oh non, mais elle est vraiment décidée à lui mettre les mamelles dans la bouche. Hein. Là, c'est... truc de fou hein. Bon alors pendant ce temps là il y a nos papis qui se ramènent donc ce que je pense que je sais plus ce que je veux dire. Oui, on va recapturer puis après on va se laisser là dessus et elle veut pas crever. Regardez, elle lui fait des triple coups de mamelle droite gauche il a la tête enfoncée dans le sol. Alors c'est bon là. Allez, encore un coup de mamelle. Putain, le truc, le tigre il a fait un tour complet sur lui-même tellement elle lui a foutu des coups de. Par contre, là, ça va être chaud patate là. Là, j'espère que. Est-ce qu'il ramène des mecs? Ouais, il ramène des mecs. Bon, là, c'est bon, je pense. On va les exterminer. On est beaucoup plus que.
Eh mais elle veut pas mourir. Je crois qu'il y a un gros bug. Elle avait un fini, c'est pas possible. Bon, laisse-la. Laisse-la, laisse-la, tu vas aller attaquer là. Ah mais oui, en fait elle est dead. Elle est dead depuis tout à l'heure, c'est juste que j'avais laissé la laisse sur elle. Elle s'acharnait, tu sais. Allez, c'est bon. Viens ici. Viens ici, me. Tu t'es bien battu. Ah, c'était épique. En fait, elle était dead depuis tout à l'heure. Oh là. Bon, là, c'est du massacre, hein. Massacre. Allez. Hop. Et on capture. Et on va soigner notre cher meu. Oh, le tigre, il en a pris. Ah, là, vous avez vu du combat épique. De l'épicness. Absolument. De l'épicness la plus totale. Mais qu'est-ce que... Ah non, d'accord, non, j'ai peur. Bref, pourquoi il y a toujours des cloches, là? C'est ici, ouais, parce qu'il y a cette putain de catapulte. Oh, j'ai honte. Est-ce que tu vas crever, oui? Oui. Allez, vas-y, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. En plus, c'est en bois, alors ça brûle bien, normalement. Et j'ai recapturé. C'est quoi ce vieux proverbe de merde? Oh, le soin, le soin, le soin. Bon, là, je fais du bien, je devrais pas, hein. Je vais resacrifier 2-3 personnes pour avoir soigné, hein, ma créature. Parce que là, sinon... Voilà! Ouais, ça va pas, là. Attends, est-ce que j'ai... Ouais, non, c'est bon. Eh, séquence massacre! Oh, là, il y a du people! Oh, le people! Disciple reproducteur. Attention alors, et c'est parti, Robert! Eh, fosse de torture, sacrifice! Oh, les têtes de mort! Et le cimetière qui va être trop rempli, il y aura bientôt plus la place, je dois en construire 10 de plus, hein, c'est pas possible. Bon, voilà, là j'aurais fait séquence massacre. Donc, on va se laisser là, les amis. Ah, ils veulent migrer là-bas, t'es sérieux? Non, mais regardez, ils veulent migrer là-bas. Non, non, mais je crois que vous avez pas compris, c'est une dictature ici, les amis. Hein, hein? Enfin, bref. Cette catapulte. Qui est décédé la catapulte. Bon, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez un petit commentaire, un j'aime et bien sûr abonnez-vous pour voir la suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.